Aujourd'hui encore, nous sommes très, très, très heureux d'avoir avec nous Dr. Robert Patton Jr., l'un des grands ambassadeurs de la communauté haïtienne, pour une émission à la radio Télé-Starité. Comme vous le savez, Dr. Patton, bon, il passe vraiment de présentation pour le livre qu'il a écrit sur Haïti, et professeur d'université, et pour son grand amour, et pour Haïti. Mais aujourd'hui, dans cette émission, il va mettre beaucoup d'accent sur les élections américaines, sur l'icône droite qui vient de nous laisser, la bataille que ça a provoqué entre les partis républicains et démocrates, et qu'il va nous donner aussi son opinion sur les élections américaines. Mais Dr. Patton, on va commencer tout d'abord avec et COVID-19. Bon, on peut dire que c'est un mal invisible qui a changé notre monde. Bon, et on a près de 200 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis de la pandémie et COVID-19. Pourriez-vous éclairer nos lanternes sur l'incompétence de Donald Trump face à la grande épreuve de son mandat? Bon, tout d'abord, un salut à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Solidarité. Et pour répondre à cette question, eh bien, je crois que ce qui est arrivé, c'est qu'au début de la crise de COVID-19, le président Trump n'a pas payé beaucoup d'attention à cette crise. Il pensait que c'était comme un flou. Et finalement, ça a dégénéré. Et ça a causé toutes ces morts. D'un autre côté, si on regarde la plupart des autres pays, et surtout les pays industrialisés, je crois que l'incompétence a été en fait généralisée chez tous les leaders en Europe, aux États-Unis,
sauf les leaders peut-être de la Corée du Sud et bien sûr les Chinois qui étaient au centre de cette crise, ont pu vraiment maîtriser cette crise. Il y a toujours eu cette tension, surtout au début de la crise du COVID-19 avec le masque. Le gouvernement américain avait déclaré que ce n'était pas nécessaire. Mais ce n'était pas seulement le gouvernement américain, le gouvernement français, le gouvernement anglais. Ils avaient dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Et en fait, on voit que le masque est devenu, comme, d'une certaine manière, une protection essentielle. Donc, nous voyons une crise généralisée des systèmes de santé dans les pays les plus industrialisés, surtout aux États-Unis, plus de 200 000 morts. C'est le pays qui a le plus de morts sur la planète. Ce n'est pas le pays, malgré tout, qui a le plus de morts si on relativise avec la population totale. Mais quoi qu'il en soit, il y a un constat d'échec avec la politique américaine de M. Trump. Il y a un constat d'échec également avec beaucoup de gouverneurs qui ne savaient pas quoi faire. Et il y a des complications aux États-Unis, puisque c'est un État fédéral, et que même si on avait eu quelqu'un de compétent à la tête du régime américain, il faut imposer ces choses-là au gouvernement de chaque État. Et ça, c'est très compliqué. Nous avons vu, par exemple, la crise à New York, qui a été une crise qui a affecté surtout les plus âgés. Et véritablement, là aussi, il y a eu des contradictions incroyable entre le gouverneur Cuomo et le maire de la ville de Blasio. Donc, je crois qu'on a un constat d'incompétence qui est tout à fait manifeste et qui est un peu partout. Maintenant, ce que M. Trump veut faire, c'est parler du vaccin. Il veut oublier, évidemment, la crise du COVID. Il dit que tout va aller bien mieux et qu'avec le vaccin, tout va disparaître. Il a une confiance inouïe dans ses prédictions, et ses prédictions n'étaient pas tellement bonnes. Mais quoi qu'il en soit, il faut espérer que la crise maintenant est plus ou moins à sa fin, bien qu'on voit les cas positifs monter, surtout en Europe. Ils sont tous en hausse. Mais ce qui est de plus rassurant, c'est que les hospitalisations et les morts et les réanimations sont, semble-t-il, en baisse. Et la question est de savoir si le COVID-19 est en train d'avoir une mutation, comme quoi le virus ne serait plus aussi mortel qu'il ne le fut. Mais tout ça, les scientifiques, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord. Il y a toujours des débats continus sur le COVID-19. Peut-être que nous allons voir une deuxième vague. Et si nous avons une deuxième vague du COVID, est-ce que cette deuxième vague sera aussi mortelle que la première? Ce sont beaucoup de questions, on ne peut pas répondre. Maintenant, on peut avoir peut-être un peu d'espoir également avec le vaccin. Si on écoute M. Trump, bien le vaccin sera là avant la fin de l'année. Beaucoup de scientifiques disent que ça c'est pas possible. Au plus tôt, ce serait à la mi-2221. Donc, nous allons attendre. D'un autre côté, nous avons les Russes qui ont leur Sputnik 5, le vaccin, et ils sont en train de vacciner. Et nous ne savons pas si c'est véritablement un vaccin qui marche. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et pour le moment, le COVID-19 a bien sûr causé beaucoup de problèmes pour M. Trump. Non seulement des problèmes au point de vue de la santé, mais également au point de vue de l'élection, puisque le COVID a eu un effet tout à fait négatif sur l'économie qui marchait bien, en fait, avant le COVID-19. Et maintenant, nous avons une crise économique très aiguë avec un chômage qui est très élevé, un déficit qui est inouï, et nous ne savons pas véritablement quand la reprise économique va commencer. M. Trump, bien sûr, comme il est en élection, il dit qu'elle a déjà repris, mais la plupart des économistes ont des doutes. Ce qui est vrai, c'est que le stock market est en très bon état et ça reflète un peu les contradictions de l'économie américaine parce que le stock market qui est en hausse
montre qu'il y a des inégalités sociales inouïes aux États-Unis. Les gens qui sont comme on le dit ici, le 1%, eh bien, ils sont véritablement en hausse économique. Nous voyons ça avec les billionnaires. Ils ont encore plus d'argent, mais nous voyons que de l'autre côté de l'échelle sociale, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec toutes sortes d'histoires, que ce soit la santé, que ce soit le salaire, etc. Donc, finalement, COVID-19 a accentué toutes les contradictions qui existaient aux États-Unis et nous allons voir comment ça va se dérouler pour les élections. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que M. Trump, je pense, a beaucoup de chances d'être élu malgré la crise économique, malgré le COVID, et c'est quelque chose d'étonnant. On aurait pu penser, en fait, que quel que soit celui qui serait opposé à Trump, ben, il gagnerait ou elle gagnerait. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de doutes sur ces élections et qui va les gagner. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de discussions à propos de ce que sera cette élection au point de vue de la transmission du pouvoir. Et M. Trump déclare qu'en fait, il ne peut pas garantir une transmission de pouvoir pacifique si le vote n'est pas, comme il dit, « fair ». Et en fait, un vote qui serait « fair » pour M. Trump, c'est un vote qui garantirait son élection. Donc, nous pouvons avoir des problèmes et nous avons bien sûr cet autre événement, la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui a créé une opportunité pour le président Trump de nommer un nouveau juge à la Cour suprême. Oui, on va arriver à cette question. Est-ce que oui. Bon, parce qu'on sait que la mort de cette icône de la droite américaine continue à faire couler beaucoup d'encre. Pourriez-vous nous dresser un bref portrait de l'icône de la droite de Ginsburg, la doyenne de la Cour suprême des États-Unis, qui vient de nous laisser, tout en mettant l'accent sur la bataille politique entre les partis démocrates et républicains après son décès. Oui, oui. Mais en fait, c'est une icône de l'aile libérale de la politique américaine. Parce qu'elle a été adorée par les démocrates et surtout par les femmes, parce que c'est une femme qui a véritablement montré le chemin à beaucoup d'autres femmes. Elle est devenue la deuxième femme à siéger dans la Cour suprême. Elle a eu une histoire de véritablement de... elle a commencé en fait à montrer le pouvoir féminin avec son ascendance dans les écoles, dans les universités américaines. Elle a montré qu'une femme, et elle était toute petite, avait un caractère très très dur et qu'elle pouvait en fait tenir tête à tous ces hommes qui étaient dans la Cour suprême avec un certain charme. Et d'un autre côté, c'était une femme qui était très tolérante. Il y avait dans la Cour suprême américaine un homme qui s'appelait Scalia, qui était un homme excessivement de droite. Et pourtant, Ruth Bader Ginsburg avait de très importants liens d'amitié avec M. Scalia. Et ils étaient véritablement comme frères et sœurs, mais au point de vue politique, M. Scalia était tout à fait à droite de la politique américaine et Mme Ginsburg était tout à fait à gauche. Donc, nous avons une femme qui a montré un caractère important, un caractère de femme de leader, mais malgré tout, elle a gardé une certaine tolérance vis-à-vis de l'opposition politique avec laquelle elle était toujours en désaccord. Et ça va être très compliqué maintenant pour son remplacement, parce qu'on le sait, M. Trump veut remplacer Mme Ginsburg avec quelqu'un qui sera de droite, et de la droite dure. Et M. Trump semble qu'il a pu manipuler avec le leader du Parti républicain au Sénat, le sénateur McConnell,
un vote qui devrait, en fait, remplacer Ginsburg avec une femme et une femme de droite. On parle surtout d'une juge américaine, Amy Coney Barrett, qui est une femme de droite. Et qui est catholique aussi. Elle est catholique aussi, ce qui aide bien sûr M. Trump, parce qu'il va être très difficile pour les démocrates en période électorale d'attaquer une femme et d'attaquer une femme catholique. Donc je crois que si en fait M. Trump choisit Amy Coney Barrett, que ça va poser des problèmes pour les démocrates. Comment attaquer ce candidat sans avoir des effets négatifs pour l'élection présidentielle et l'élection, bien sûr, au Congrès et au Sénat. Donc, M. Trump a eu, je crois, une chance, en fait, de recommencer la campagne électorale avec la possibilité de nommer une nouvelle femme à la Cour suprême et une femme de droite qui, bien sûr, répondrait au désir de la base électorale de M. Trump. Donc, nous allons voir si les Républicains pourront faire cela avant l'élection du 3 novembre. S'ils le font, je crois que ce sera un plus pour M. Trump. S'ils ne peuvent pas, ça peut véritablement envenimer la politique américaine encore plus. Et peut-être qu'à ce moment-là, cela permettrait aux démocrates, si M. Biden est élu, de nommer eux-mêmes en janvier ou en février une autre personne à la Cour suprême. Mais je doute en fait que les Républicains vont donner aux démocrates cette chance. Les Républicains veulent le contrôle de la Cour suprême et je crois qu'ils vont voter pour, quelle que soit la personne que M. Trump choisit, je crois que cette personne deviendra en fait le neuvième juge de la Cour suprême. Donc, M. Trump a des cartes toujours en main et M. Trump sait les manipuler et sa base électorale serait tout à fait satisfaite avec la nomination du juge Amy Coney Barrett. Bon, et nous sommes à quelques jours des élections du 3 novembre aux États-Unis. Pourriez-vous nous dresser un bilan de l'administration Trump, le 45e président des États-Unis? Bon, en fait, avec le COVID-19, la plupart des choses que le président avait été capable de faire se sont en fait dissoutes. L'économie est en mauvais état. La politique étrangère a eu certains succès, surtout au Moyen-Orient. Mais d'un autre côté, c'est un président qui a créé des divisions tout à fait aiguës dans la politique américaine. On peut voir cela avec la division au point de vue culturel. Nous pouvons voir ça également avec les divisions qui ont été causées tout cet été avec les questions raciales, avec les protestes, avec le Black Lives Matter, avec les assassinats d'individus noirs par la police. Et donc, nous avons une société qui est divisée. C'est un constat d'échec dans la mesure où on voudrait voir une certaine différence aux États-Unis. Mais d'un autre côté, M. Trump a satisfait beaucoup de ses supports. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple les taxes, il a véritablement aidé les gens qui sont au plus haut dans l'échelle économique. Il a également mené une politique qui a été très effective au point de vue de contrôler tout l'appareil judiciaire aux États-Unis. Il a nommé plus de 220 juges dans tous les différentes parties de l'appareil juridique américain. Ça, c'est un véritable succès pour M. Trump parce que, comme on le sait, beaucoup des projets politiques doivent finalement
aboutir devant les juges. Et si vous avez des juges qui sont de droite, beaucoup des projets que les Américains de gauche ou les démocrates pourraient voter pourraient être bloqués par l'appareil juridique. D'une certaine manière, M. Trump, au point de vue de sa vision de droite, il a été plus ou moins effectif. Et nous allons voir si, malgré tous les événements que nous avons vus, surtout en 2020, si M. Trump pourra gagner encore cette élection. Ça va être un peu plus compliqué, mais pas impossible, parce qu'il faut se rappeler que le vote populaire, finalement, ne compte pas. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump pourrait perdre l'élection au niveau des votes, mais il gagnerait l'élection au niveau du collège électoral. Bon, là, j'ai une question pour vous, parce que et la dernière fois que Mme Clinton a gagné les votes populaires, et pourtant, elle n'a pas gagné les élections. Et oui, c'est ça. Mais pourriez-vous faire une différence pour nous entre le vote populaire et le conseil électoral des États-Unis? Et à quel point on peut dire les élections américaines vraiment est une élection démocratique lorsque un candidat, même avec le vote populaire, et il ne peut pas gagner les élections? Ça, c'est tout à fait dans le système américain, c'est la constitution américaine. Chaque État a des votes. Et ces votes forment le collège électoral. Donc, qui donne ces votes dans chaque État? Si, par exemple, vous gagnez dans l'État du Wisconsin, vous avez un certain nombre de votes au collège électoral. Donc, vous pouvez gagner, comme M. Trump avait gagné, beaucoup d'États, mais pas le vote populaire, parce que M. Trump ne gagnera ni New York, ni la Californie. Ce qui veut dire que dès le départ de l'élection, l'élection ne se jouera pas au point de vue du vote populaire. L'élection va se jouer dans 8 ou 9 États des États-Unis. Si M. Trump, comme il avait fait la dernière fois, gagne la Floride, la Caroline du Nord, le Wisconsin, le Michigan, Ohio et Arizona, M. Trump sera président des États-Unis. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a une différence entre ce vote au collège électoral et le vote populaire, puisque nous savons très bien que la Californie et l'État de New York représentent un nombre tout à fait démesuré du vote total des États-Unis, puisque ce sont les deux États les plus où il y a la plus grande majorité de la population. Donc, ce qu'on voit maintenant dans la campagne électorale, c'est que M. Trump est tout le temps en train de voyager en Floride, au Wisconsin, au Michigan, au Ohio, en Pennsylvanie, parce que s'il gagne ces États, il sera président, même s'il gagne ces États avec 2000 voix, 3000 voix en plus. Donc, le vote populaire ne va pas compter. Et c'est la dernière fois on a vu ça, puisque Mme Clinton avait plus de 3 millions de votes en plus que M. Trump. On avait vu ça également dans l'élection de 2000, quand George Bush avait battu M. Gore. Gore avait, je crois, plus de 700 000 votes que M. Bush, et malgré tout, il n'a pas été président. Donc, la bataille électorale aux États-Unis est une bataille pour quelques États. Ce qui est certain, c'est que si M. Trump perd la Floride, je crois qu'il n'a aucune chance d'être président. Donc, la Floride va être véritablement un morceau du puzzle que M. Trump est en train de jouer. Et on le voit continuellement voyager en Floride et s'allier avec la communauté cubaine de la Floride, et tout cela parce que la Floride va être déterminante dans l'élection présidentielle. Et la communauté portoricaine? Oui, la communauté portoricaine va être importante également, mais comme vous avez pu voir, M. Trump, tout d'un coup, a découvert son amour pour Porto Rico en disant qu'il allait donner 11 milliards de dollars à Porto Rico. Tout cela, c'est de la politique. Et pourtant, il a insulté la communauté portoricaine. Oh oui, M. Trump, il insulte
Il insulte la plupart des gens. On peut se rappeler quand il a, dans la première élection, quand il descendait de l'ascenseur, il avait attaqué les Mexicains, les gens. Il avait attaqué tout le monde. Et tout le monde se disait, ce type-là, il est fou. Il n'y a pas le moyen pour lui de gagner une élection. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il a été élu. Je crois qu'il y a un vote silencieux aux États-Unis. Et après la dernière élection présidentielle, je doute des sondages. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2% des personnes qui disent qu'ils ne vont pas voter ou qu'ils vont voter pour Biden, qui savent parfaitement qu'ils ne vont pas voter pour M. Biden et qu'ils voteront en fait pour M. Trump. Il y a un vote silencieux. Les gens ne veulent pas être vus comme des supporters de M. Trump. Ce qui vous dit, bien sûr, la division sociale aux États-Unis, la division culturelle aux États-Unis. Mais on verra. Ce qui serait véritablement incroyable, c'est qu'avec cette crise économique, cette crise de la santé, nous avons un président qui serait réélu. Ce serait étonnant, mais ce n'est pas impossible. Bon, un journaliste a écrit sur l'administration Trump, l'impensable est devenu quotidien. Êtes-vous de cet avis? D'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non. Je ne crois pas que M. Trump a été élu sans avoir, en fait, eu les moyens d'être élu à cause de la politique économique qui a été déroulée aux États-Unis pendant les dernières 40 années. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis sous Reagan, nous avons vu une marche à droite de la politique américaine. Nous avons vu également que l'économie néolibérale et la globalisation ont créé des inégalités énormes au point de vue de la planète, mais également aux États-Unis. Ce que nous avons vu également, c'est que la classe ouvrière a vu ses salaires diminuer, a vu son statut dans le monde américain diminuer, et je crois que cela a généré véritablement cet appui pour M. Trump, surtout dans le Midwest, Ohio, au Michigan, au Wisconsin. La classe ouvrière américaine et d'une certaine manière la classe ouvrière américaine blanche a déclaré qu'elle ne voulait plus de cette politique et a voté pour M. Trump parce que M. Trump représentait en fait l'homme de l'antisystème. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que l'homme de l'antisystème a malgré tout continué la même politique au point de vue des taxes que les régimes précédents. Donc, M. Trump est différent dans son style. Le style de M. Trump, comme on l'appelle ici, n'est pas présidentiel. Il injure tout le monde, il insulte tout le monde, il dit des choses impensables, et malgré tout, ça continue, et sa base électorale est satisfaite de son discours. Le monde intellectuel est véritablement choqué par M. Trump, mais d'une manière un peu ironique, le plus le monde intellectuel est choqué par M. Trump, le plus sa base politique est contente. Parce qu'il y a véritablement un choc entre le Midwest, si vous voulez, et les côtes des États-Unis, la Californie et New York. Si vous voyez la carte électorale des États-Unis, c'est New York et la plupart des États qui sont plus au nord que New York. Et quand vous voyez la côte ouest des États-Unis, nous voyons que c'est de la Californie jusqu'à l'État de Washington qui vote, en fait, pour les démocrates. Mais vous voyez le Midwest, vous voyez le sud des États-Unis, ça, c'est le territoire de M. Trump. Donc, il y a ce choc entre le monde bien pensant, si vous voulez,
et le reste des États-Unis. On peut voir ça dans les meetings de M. Trump, où il insulte continuellement le New York Times, CNN, etc. Et le public qui supporte M. Trump adore cette confrontation avec les journalistes, le New York Times et tout ça. Donc, c'est une situation très compliquée, mais je ne pense pas que M. Trump soit finalement tellement différent. Je crois que son discours est différent. C'est un provocateur. Comme quand on lui a posé la question hier ou avant-hier s'il serait prêt à laisser le pouvoir pacifiquement, il dit « bon, je ne sais pas, bon, s'il y a un vote qui me convient, oui ». Mais ce sont des provocations, et je crois que ce sont des provocations qui jouent très bien avec la base électorale de M. Trump, et ce sont des provocations qui causent le tollé chez le monde intellectuel et chez les journalistes de CNN et du New York Times. C'est un populisme de droite qui choque, mais qui joue bien avec une base électorale qu'il a pu maintenir. C'est franchement étonnant que dans une crise pareille, M. Trump a toujours à peu près 45% de support. C'est franchement étonnant. On ne peut pas véritablement comprendre cela si on ne regarde pas ce choc culturel entre deux Amériques. Oui, bon, ça on peut le dire. Mais pourriez-vous nous expliquer ces décalages entre l'administration Trump et les élites traditionnelles américaines? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce décalage. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Il y a le problème avec l'économie, mais de notre côté, les trois premières années de M. Trump au point de vue économique ont été finalement de bonnes années économiques, même s'il y avait des inégalités incroyables. Le chômage avait diminué, les salaires de la classe moyenne avaient augmenté. Mais avec le COVID, tout cela a été un peu balancé dans l'air. Donc, il y a ce côté-là. De l'autre côté, c'est bien sûr la question raciale et le fait que la population américaine est devenue de plus en plus multiraciale. Et cela, bien sûr, crée des opportunités pour les démocrates, mais également pour quelqu'un comme M. Trump, parce que M. Trump peut jouer la carte racial. Comme nous avons pu voir pendant tout cet été, les manifestations contre la police, contre le racisme aux États-Unis ont généré beaucoup de support pour le Black Lives Matter, mais M. Trump s'est véritablement éloigné de Black Lives Matter puisqu'il veut garder une base électorale qui soit blanche. Et c'est certainement ses calculations, c'est son calcul politique joué sur les craintes de l'Amérique du Midwest et les craintes, en fait, des Blancs qui voient leur statut plus ou moins diminuer. Donc, je crois qu'il y a une question raciale, il y a une question économique qui joue là-dedans. Et il y a, bien sûr, comme je le disais avant, un vote silencieux. Ce que je veux dire par le vote silencieux, c'est que quand on fait des sondages, on demande par exemple aux femmes blanches si elles vont voter pour M. Trump. En majorité, elles disent non. Et quand l'élection arrive, elles sont pratiquement la majorité des femmes blanches qui votent pour M. Trump. Malgré son sexisme, il y a quelque chose dans la mentalité américaine, surtout ce populisme de droite qui excite en fait ce vote pour M. Trump. Et je crois que M. Biden, enfin on ne le voit pas beaucoup non plus, ce qui est un problème, mais il est en train de naviguer entre le vote pour les Blancs, le vote pour les Noirs et les Latinos. Il est en train d'essayer de créer une coalition qui est un peu difficile à créer parce qu'il a des gens
qui viennent de Monsieur Bernie Sanders, mais il y aura également des républicains de droite qui détestent Trump et qui viennent vers le côté de Monsieur Biden. Donc, la politique américaine est en flux. Les jeux ne sont pas finalement complètement clairs. Donc, il faudra attendre le vote. Mais comme je le disais, je ne serais pas étonné si M. Trump gagnerait cette élection comme il l'avait fait 4 ans auparavant, avec un vote électoral où il est véritablement battu par 3 ou 4 millions de votes, mais il gagne le collège électoral, donc il devient président. Toute sa stratégie, c'est gagner le collège électoral et tant pis pour le vote populaire. Ce n'est pas son problème. Bon, maintenant, on va passer du côté d'Haïti, mais on va parler un peu de créole. Bon, et que pour l'élection américaine, que nous sommes très, très, très heureux d'avoir avec vous cette émission. Bon, on a mis beaucoup d'accent sur M. Trump. La prochaine émission, ce sera sur M. Biden et le Parti démocrate. Mais maintenant, on va parler un peu d'Haïti. Surtout après l'assassinat de Monsieur Dorval, le bâtonnier du barreau des avocats de Port-au-Prince. Et bon, ça a provoqué beaucoup d'émotions au sein de la population et ça a fait couler beaucoup d'encre aussi. Mais pourriez-vous nous dire comment va Haïti et après cet assassinat odieux? Et aussi, il serait peut-être bon de nous dresser un portrait de ce grand avocat qui vient de nous laisser. Bon, c'est l'assassinat du docteur Montferrier Dorval est une calamité. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui était un homme qui voulait en fait voir plus d'égalité en Haïti, surtout avec la jeunesse. Mais cet assassinat, je crois, est symbolique de la pourriture de l'ordre social et politique dans notre pays. C'est triste à dire, mais la crise que nous avons connue depuis plus de 30 ans est une crise qui continue et c'est une crise qui devient de plus en plus alarmante. Nous avions des gangs dans le passé, mais maintenant les gangs contrôlent de plus en plus de grandes zones à Port-au-Prince. Même la police devient d'une manière tout à fait incroyable. Elle commence à faire partie des gangs. Donc, c'est un pays qui n'a plus d'ordre légitime. Les gens qui ont le revolver sont des gens qui maintenant tiennent une partie du pays dans leurs mains. Et ça, c'est véritablement très, très, très triste. D'un autre côté, quand on voit la situation sociale en Haïti, on voit des inégalités de plus en plus aiguës. C'est pas seulement Haïti, c'est quelque chose qui est global, comme on le sait. Mais en Haïti, où il y a tellement de pauvreté, le plus l'inégalité devient... Le plus elle est accentuée, le plus on voit cette pauvreté. Donc, nous avons une situation sociale qui est pourrie. Nous avons eu un système politique qui est en plein désarroi. Personne véritablement ne respecte la Constitution. On parle d'une nouvelle Constitution. Et on parle d'une nouvelle Constitution après avoir ignoré, en fait, la plupart des articles de la Constitution dont nous avons maintenant. Je ne pense pas que changer la Constitution va véritablement changer beaucoup de choses, parce qu'il faut d'abord respecter une Constitution avant de l'envoyer au Fatra. Et nous n'avons jamais respecté cette Constitution de 1987. Nous voyons ça également avec le Conseil électoral provisoire. Il est nommé d'une manière tout à fait illégal. Il n'a même pas été endorsé par le monde juridique.
Et malgré tout, le président dit que bon, nous avons un conseil électoral provisoire, nous allons avoir des élections. Il parle même d'un référendum sur une nouvelle constitution. Alors que nous ne savons pas comment on peut faire ça si on ignore les articles constitutionnels que nous avons à l'heure actuelle. Donc nous sommes complètement hors de la Constitution, et cela fait pas mal d'années, ce n'est pas simplement sous Jovenel Moïse que nous avons eu des gouvernements qui ignorent la Constitution et qui en fait décident avec des directives présidentielles ce qu'il faut faire. Donc la crise, je crois, s'accentue. Le monde politique est de plus en plus en désarroi. Les oppositions qui y avaient il y a 2 ou 3 ans semblent être également en désarroi. La jeunesse qui était dans la rue et qui protestait contre la corruption, je crois qu'elle a été finalement matée dans la mesure où elle a été cooptée par différents partis politiques, et cela mène à cette crise que nous avons maintenant. Donc c'est un constat assez accablant de la situation actuelle. On parle d'élections dans une situation où on ne peut pas véritablement avoir des élections. Tout cela est époustouflant, mais c'est pas étonnant parce que nous avons été dans ce chemin qui mène aux enfers depuis pas mal d'années, et je ne sais véritablement pas comment s'en sortir. C'est cette question que je vais vous poser. Comment Haïti peut-elle sortir de cette crise aiguë ou bien de ce séisme politique? Parce que c'est pour ce que tu attends, on peut dire depuis le début des années 86, 7 février 86, oui, Jean-Claude est parti, mais depuis lors, et on n'a jamais eu vraiment de stabilité politique en Haïti. Et ça, c'est certain, nous n'avons pas eu de stabilité politique. Moi, à un moment donné, surtout après le tremblement de terre de 2010, je pensais qu'une conférence nationale qui pourrait répondre à toutes les sections du pays aurait dû avoir lieu, surtout à cette époque-là, parce que je crois que le tremblement de terre, pendant une certaine période, avait créé une nouvelle volonté de sortir le pays de la crise. Mais on a laissé cette opportunité et puis on n'a jamais saisi cette opportunité. Mais je ne crois pas qu'on puisse avoir un changement réel en Haïti si nous n'avons pas un accord national entre toutes les couches sociales du pays. Si on ne fait pas ça, je crois qu'on aura une crise continue et que, nous, comme je le disais, la descente aux enfers est inévitable. Il faut véritablement regrouper toutes les sections du pays afin d'arriver à un consensus. Nous n'avons aucun consensus au point de vue politique ou au point de vue économique. Et dans cette pagaille, nous avons les gangs. Nous avons une police qui devient de plus en plus autonome et qui ne répond plus au pouvoir public et certainement pas à la volonté nationale. Donc, sans une conférence nationale où on pourrait discuter des problèmes haïtiens et arriver à un consensus, je ne crois pas qu'on puisse sortir de la crise. Mais pour avoir une conférence nationale, il faut une organisation. Il faut une volonté politique et je ne vois pas cette volonté politique et je ne vois pas véritablement quel acteur pourrait en fait mener cette bataille pour un refondement, si vous voulez, de la République. Nous avons vu des discours de certains religieux appelant justement à un sursaut national, mais je ne vois pas encore de réponse du côté politique. Donc, la crise est là, la crise a été là pendant, enfin, en fait,
C'est une crise qui date depuis l'avènement du pouvoir duvalieriste. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 1957 que nous avons eu une crise économique, une crise politique et une crise morale dans le pays. Et c'est difficile de voir comment on s'en sort. Et la plupart des Haïtiens, en fait, et c'est triste à dire, mais nous, Haïtiens, beaucoup de nous sont à l'étranger. Ce n'est pas parce que nous avons choisi l'étranger comme naturellement, c'est parce que la situation en Haïti est telle que nous allons aux États-Unis, au Canada, en France, au Brésil, au Chili. Et je me rappelle, le président Préval avait dit à une époque quelque chose qui était bien vrai, mais très triste. C'est nager pour une sortie. Il fallait nager pour sortir. Et ça, c'est une démission véritablement du pouvoir politique vis-à-vis de la crise que nous avons en Haïti. Donc, je n'ai pas de solution. Si j'avais une solution, je la donnerais immédiatement, mais je ne vois pas beaucoup de... Je ne suis pas très optimiste. Bon, pourriez-vous nous expliquer cette phrase de M. Duval, du journal Le Nouveliste, qui a écrit « Haïti fait un grand saut dans l'illégalité pour tenter de trouver la stabilité avec la formation du nouveau conseil provisoire. » Oui, ça c'est quelque chose d'assez étonnant parce que si on saute dans l'illégalité, je pense que nous sommes déjà dans un problème très sérieux. C'est difficile de sauter de l'illégalité afin d'avoir une nouvelle légalité et une légalité qui satisferait le peuple en général. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec des gouvernements et des présidents qui sont devenus en fait très messianiques dans la mesure où ils pensent qu'ils peuvent à eux seuls résoudre la crise en Haïti. Je ne vois pas comment on peut avoir un conseil électoral provisoire si on n'a pas, en fait, un consensus à propos de la composition de ce conseil électoral provisoire et si on ne respecte pas la Constitution et les données de la Constitution afin de créer ce conseil électoral. Je crois que quand l'éditeur du Nouveliste a déclaré ça dans son article, je crois qu'il a été très optimiste, disant en fait, si on a un conseil électoral provisoire, on aura des élections, on aura un nouveau gouvernement et on aura de la stabilité. Depuis le départ de Jean-Claude Duvalier du pouvoir, on a vu que les élections n'ont pas en fait apporté la stabilité, puisque la plupart des élections qu'on a eues ont été des élections en climat de crise avec un conseil électoral provisoire qui avait été plus ou moins manipulé par le pouvoir en place, et on voit la même chose. Je ne vois pas pourquoi la même politique accoucherait d'un nouveau bébé, si vous voulez. Je ne le vois pas. Je pense que si on est hors de la légalité, on est déjà dans une crise. Et quand on crée un conseil électoral provisoire sans le consentement de toutes les forces politiques du pays, on devrait s'attendre à une crise politique, puisque les élections, comme on le sait en Haïti, sont des moments très dangereux, des moments de crise. Et ceux qui gagnent les élections déclarent que tout va bien, et ceux qui perdent n'acceptent jamais les résultats et la crise continue. Nous avons vu ça avec sous Préval, sous Martelly, avec Jovenel Moïse. C'est toujours la même histoire et c'est toujours la même crise. Et nous n'avons jamais respecté la Constitution parce que nous n'avons pas un conseil électoral permanent. C'est toujours un conseil électoral provisoire qui est manipulé par les forces qui ont le pouvoir. Donc, l'illégalité, afin de tomber dans une nouvelle légalité, pour moi, c'est un peu... Ça crée le doute dans ma tête. Bon, et tu n'as pas fini avec une question créole pour nous finir.
Et que Dr. Bakon connaît que pour dire yo, ça fait longtemps que on suit et bon situation Haïti. Mais je ne veux dire nous capable dire que bon nous non porte ou bien que nous en route on que ou pas quand même parler tourisme bon ou bien que vraiment nous pas en casse porte de sortie. Est-ce que ou même que et que Jovenel Moïse li mon porte de sortie et dans tout scénario ça yo parce que d'ailleurs que nous capable voir avec surtout avec conseil électoral là que bon qui va même bien support mon juridique nous voulons parler de coup de cassation pour faire seulement et nous tendez tout force pays à tous c'est pas seulement les leaders politiques nous capable dire les églises tout nous yo yo penser que ça va capable faire. Mais qui porte de sortie vraiment Jovenel gagne dans tout ça? Est-ce que vous pensez que Jovenel est capable de faire l'élection? Bon, c'est une question très, très difficile parce que ce n'est pas seulement Jovenel qui est dans bagarre ça, c'est aussi la communauté internationale. Et la communauté internationale, là, c'est surtout les États-Unis. Donc, ça qui peut passer en novembre avec l'élection américaine, pour un combat est très important pour Haïti. Si c'est M. Trump qui est président, nous croyons qu'il pourra le supporter Jovenel, il pourra le supporter l'élection, et puis, par contre, qui moun qui pourra l'élu, et moun ça pourra le président, si c'est président Trump. Si c'est nous pour président Biden, Biden ne va changer, même pas fin sur le poil changer, parce que nous va garder l'élection, dernière élection en Haïti, hein, et Madame Clinton, t'es carrément décidé à un moment donné qui moun qui poil en président c'était sous la présidence de Obama et puis il a choisi Martelly et puis Martelly élu donc c'est bah ça c'est un bagage étranger plus haïtien de toute façon Jovenel Moïse il est président et mandat président poil fini donc à un moment donné Jovenel Moïse est faut que monsieur parti. Je ne sais pas qui j'aime monsieur pour le parti. Je ne sais pas qui élection monsieur pour le ranger. Bah, ça dépend des États-Unis, dépend de la communauté internationale, il dépend bien sûr du monde politique en Haïti. Et jusqu'à présent, pas un accord entre le régime Moïse et puis l'opposition politique. Sous pas un accord pour une élection ou pas foutu une élection. Parce que qui monde qui parle dans l'élection, si vous n'avez pas d'opposition, si vous n'avez pas d'opposition, c'est une élection fantoche. Donc, il faut qu'on ait un consensus sous un conseil électoral provisoire. Et nous connaissons que création du conseil électoral provisoire, c'est un bail qui très compliqué en Haïti. Il y a négociation, il y a changement et tout bail ça. Donc, finalement, quoi que le Conseil électoral provisoire, pour aller très provisoire, parce que je crois que le Conseil électoral là, accepté par le monde politique, là, par le monde de l'Église, etc. etc. Donc, s'il n'est pas accepté, il n'y a pas d'élection, même si la communauté internationale a supporté l'élection. L'élection pourra créer une autre crise encore, une crise plus aiguë. Donc, il faut qu'on consensus au point de vue du Conseil électoral provisoire. La communauté internationale, le président pas foutu, gère une élection sans opposition. Parce que si vous n'avez pas une opposition, vous mettez oublier l'élection entièrement. Donc, nous pouvons voir ça qui va arriver. Mais une partie de problème là, c'est dans l'élection américaine, là, qui est-ce qui prend le président? Et si c'est M. Trump, est-ce que M. Trump pourra continuer à appuyer l'élection en Haïti, même dans une crise sociale, économique et politique? Donc, il faut qu'on tente. Les choses seront... Il y aura une loi plus claire après l'élection en novembre, là. Et puis, parce que nous parlons bien d'élection avant l'année prochaine, quoi qu'il en soit. Et nous parlons qu'on... Nous pas même connaît si élection est possible au point de vue économique, au point de vue politique et au point de vue aussi de la santé. Ou pas, j'en connais ça qui va arriver avec COVID-19. Si vous regardez Haïti, jusqu'à présent, d'après les statistiques, COVID n'a pas
pas tellement mortel. C'est 220 moun qui mourit en Haïti. M'ba fin selon superficiel. Oui, oui, m'ba fin quoi être statistique. Et quoi qu'il en soit, c'est pas un désastre. Quand, c'est un désastre. Ouais. Donc, mais si ba elle en gâté, ou pas foutu gagner l'élection. Donc. Et on aime quoi que sur cette situation-là, que position que vous faites pour là, que l'homme a église, il va faire marche arrière, puis il va marcher avec Jovenel, l'élection, ça. Ouais. C'est ça, le problème là. Il ne va pas même représenter dans le conseil électoral, ça. Justement, c'est ça, me dit. Donc, c'est difficile de voir le conseil électoral, ça. Il va organiser une élection, ou une élection qui est acceptable pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Le conseil électoral, là, on croit le voir très provisoire. Faut gagner une négociation, faut changer le conseil là, faut que l'accepter et endorser par le monde juridique avant qu'on doit élection. Sinon, pas qu'une élection. Ou une élection, j'ai envie de dire aux États-Unis, c'est une fake élection. Bon, et que Dr. Macron a pris infiniment, pourtant ça a été pas non, parce que ça fait longtemps que nous avons déjà sur le temps d'eau. Oui. Mais, voilà. Vous pouvez vraiment que son bibliothèque que vous avez, ouais, pour nous-mêmes, son icône que vous avez, à travers la réflexion, là, fait que ça qui est bon en analyse, ou pas dans vous éventer, ou tu vas aller gens que vous avez, ouais, que vous gardez vraiment, et bon, et mesure, parce que c'est ça que nous avons cherché dans la totalité. C'est toujours été non, et pour nous pas dans vous éventer, pour travailler ça qu'a fait là que pour au moins que pour nous capable apprendre parce que mes affaires que on a demandé que auditeur ou bien téléspectateur de télévision et continuez suivre nous parce que docteur Faton va gagner l'autre et l'autre émission avec nous sur l'élection américaine. Dans prochaine émission on a bien pour parler un peu de parti démocrate là qui vient ça y est pour vous bon qui sont Biden gagné ouais et qui sont Biden gagné que pour la gagner élection yo bon. Et que comme nous connaissons que l'élection, ça vraiment que bon. Les gens vont changer un paquet de bagages qu'on a en Haïti parce que diplomatie américaine, là, quel que soit le président, c'est toujours la même chose pour les pays en voie de développement. Ouais. C'est la même. Et c'est ça que lié, bon. Mais quand même que réellement, avec le Dr. Faton, nous avons bien peut-être des idées justes. Ouais. Sur ces élections, là, que sous pays non Haïti, vraiment, bon, qui n'ont crise, et que nous avons même dit que son conseiller, c'est bon, depuis plus que 30 ans, hein, et que réellement, après, monde qui courait, et Boutinel. Mais cependant, on a posé de prier, et on okay. pas oublier que mardi prochain, où il y a un débat, il y a un loi très important pour l'élection américaine, là, débat entre Trump et puis Biden. Donc, après débat, nous avons une idée si Biden a gagné l'élection ou bien si Biden a gâté net. Donc, attention à mardi. À mardi pour ta suivre, pour nous aider tout le monde pour ta suivre débat. Suivre débat. Suivre débat. C'est important. Et dans la prochaine émission, nous pour nous faire aller sur le débat. OK. Donc, merci encore et puis bon week-end hein, à tout le monde. Ok, donc, à la prochaine. C'est des frères. Bye bye. C'est des frères, nous, amis, nous, frères, plutôt, bon étoile de la radio Télé-Solidarité. Chanter pour sa glamba. Oui, c'est vrai. Que Dieu n'a pas donné. Dans pour ta flèche qui n'a pas salon. Oui, c'est vrai. La bouquette c'est pour choix. Nous c'est moun, c'est pas bête, nous y est. Oui, c'est vrai. Tis oiseaux n'a pas l'air. Pas voler pour sa glamba. Oui, c'est vrai. À couvrier. Oui, c'est vrai. Jour arrivé pour nous malheureux à cavalier. Oui, c'est vrai. À nous toutes mettre main, nous
se nana ak ma fouken. Oui, c'est vrai. La rose est abandonnée, tout en soleil a pas levé. Oui, c'est vrai.